Frère! Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps, ça fait plaisir de vous retrouver la famille. C'est une petite vidéo histoire de pourquoi je la sors, parce que c'est une vidéo 100 jours après. Le principe, c'est que je fais des expériences, je laisse quelque chose dans un bocal pendant 100 jours, je laisse pourrir et on analyse tout ça. Mais avant de commencer la famille, j'aimerais parler de ma chaîne actuellement. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. En ce moment, je vous avais expliqué, j'étais en plein déménagement et je suis surtout en plein travaux. Donc ça a chamboulé tous mes plans, tout mon calendrier. Donc les travaux sont bientôt terminés, je pourrais m'amuser à faire du gaming, faire des expériences et surtout faire des recettes. Et il y aura aussi des nouveautés pour la rentrée, faire des dégustations dans les fast-foods ou dans les restaurants, mais accompagné d'abonnés. Ça veut dire que vous restez actif sur Snap, sur Instagram ou sur Twitter. Comme ça, lorsque je vais aller dans un endroit faire une vidéo, je vais prévenir de tout le monde une heure à l'avance. Comme ça, ceux qui sont en secteur seulement, ils pourront venir participer, pour venir manger avec nous. Donc la famille, est-ce que vous vous souvenez, j'ai fait cette vidéo-là, c'était le pire kebab de Paris. Franchement, c'était incroyablement dégueulasse. Donc voici le pire kebab de Paris. J'avais fait la vidéo dessus, vous voyez là. Et voilà le kebab. Il se trouvait à Châtelet, route de la rue de Paris. Juste à côté du Black and White en plus. Je suis parti là-bas, j'avais pris un kebab et tout, je l'avais disséqué. J'avais lu les commentaires sur internet et vraiment ils disaient tous c'était de la merde, c'était mal servi, etc. Je voulais vérifier par moi-même, j'ai vérifié par moi-même et j'ai constaté par moi-même. Donc la famille, on est plus de 100 jours après parce que normalement c'était 100 jours, je crois que c'était la semaine dernière. Il y en a, il m'a laissé un commentaire sur YouTube et il m'a rappelé, il m'a dit hey, frère, ça fait 100 jours là, dépêche-toi gros. Donc j'ai encore beaucoup des trucs en train de pourrir, mais ça on verra plus tard. Là je vais faire les 100 jours. Je ne l'ai pas regardé, je l'ai pris, mais je ne l'ai pas regardé parce que évidemment je ne vais pas laisser pourrir chez moi. Mais avant la famille de le regarder, je vais mettre le matériel. Donc on va mettre notre petite paire de gants pour éviter de se faire contaminer. Et une petite nouveauté la famille. J'ai ça pour me protéger des vapeurs toxiques et des champignons, des champignons sporifiques qui vont se répandre partout dans l'air pour éviter que j'étouffe ou que je meure. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc je vais enfiler les gants. Voilà, pour ceux qui sont encore en vacances, ben, je vous souhaite des bonnes vacances. Pour ceux qui sont rentrés de vacances, ben, je vous souhaite une bonne rentrée bien pour bientôt. Pour ceux qui ne sont pas partis en vacances, ben, je vous souhaite un bon chômage. Et pour ceux qui sont partis ni en vacances et qui font rien à la rentrée et que leur vie c'est de la merde, mettez au moins un pouce bleu, ça ferait super plaisir. Ah ouais, la famille, mettez un pouce bleu, franchement. Et là, là c'est comme si je repartais à zéro sur ma chaîne, hein, tellement ça fait longtemps que j'ai pas fait le truc. La famille, il me faut un max de pouces bleus, là. Là, je prends des risques pour vous, là, la famille. Donc, un max de pouces bleus, ça ferait super plaisir. On va commencer la vidéo. Par contre, je vais aller chercher une assiette, parce que on va pas le déballer n'importe où. Voilà. Donc, j'ai pris une assiette. Je vais mettre mon masque, parce que là, on va pas tarder à l'ouvrir. Vous voyez, c'est un masque... C'est un max de l'hôpital, tu vois. Je ne l'ai pas pris à l'hôpital, j'en avais acheté plusieurs sur internet. Enfin, j'en avais acheté 5, c'est tout. Donc voilà, là je suis équipé de mon masque, la famille. Donc pour les vapeurs, etc., etc. Donc le bocal est là. Vous vous souvenez, c'était il y a 100 jours, la famille. Il y a 100 jours, j'avais enfermé dans un bocal le pire kebab de Paris que j'ai jugé vraiment pire. Il n'y a pas que moi qui l'a jugé pire. Hein. Moi, je me suis inspiré des commentaires, etc. Donc, je vous le montre à la famille. Regardez, je vais vous le montrer dans 3 secondes, dans 3 petites secondes. Non, même pas dans 2 petites secondes. Et je devrais dire dans une petite seconde, je vais vous montrer le pire kebab de Paris. Un an après. Un an après. Je suis désolé, la famille, j'ai fait une erreur. 100 jours après. Donc, c'est le pire kebab de Paris, d'accord, 100 jours après, qui a pourri dans un bocal. Et je vous juste, avant de l'ouvrir, une petite précision. C'est qu'il n'a pas pourri à l'air libre, d'accord? Ça veut dire que rien ne s'est évaporé, il n'a pas séché, il n'a pas durci, moisi. C'est pire parce qu'on conserve l'humidité locale dans le bocal et je peux vous assurer hein, que ça va puer sa grand-mère, son grand-père, sa tante, son oncle, toute la famille. Tu peux jouer au jeu de cette famille. Bref, je vous le montre la famille. À la une, à la deux. Mais je ne vais pas l'ouvrir hein, comme ça. Hein. Je vais vous le montrer sur le côté, d'accord? Hein? Déjà, quand on compte, quand on se passe... Vas-y, c'est bon. Voilà. Il est là. Est-ce que vous vous souvenez? Regardez. Là, je le mets comme ça. Regardez. Et regardez à gauche l'état dans lequel il était au départ. C'est tout brun. Ah, il y a plein de liquide. Regardez. Ah. Attendez, je mets de la lumière un peu plus. Hop. Aïe, aïe, aïe. Oh non, ça va puer. Pourquoi je fais ça? Faut que je mette le masque. Donc le masque il est mis, je vais chercher, il est quand même les ciseaux, El Niño. Donc voilà la famille, j'ai ramené les ciseaux, El Famoso, El Niño.
J'ai ramené aussi ça pour décontaminer la pièce au cas où. Il faut toujours du chalumeau. Il faut toujours un feu sur soi. J'ai ramené un sac poubelle hermétique pour justement après jeter directement là-dedans. Là, on est carrément... C'est un laboratoire, frère. Frère ! Bon, c'est parti. Pourquoi je fais ça ? Je l'ai même pas ouvert, je suis malade. Ça y est. Attention, je vais le faire proche de la caméra pour voir si vous entendez un pchit, d'accord ? Et le pchit, ce sera des... J'ai le masque là, hein, j'ai le masque, ok ? Attention, faites pas de bruit là. Tous ceux qui sont les écouteurs, retenez votre respiration. Ceux qui sont à la maison, mettez le son à fond. Là, je vais parler doucement pour pas gêner vos oreilles et je vais y aller. Attention, écoutez bien, hein. Écoutez surtout bien. Ouais, je rigole. Le pire kebab de Paris, sans joie après. Oh, regardez. Vous voyez ici. J'ai le masque, hein, là, je peux pas trop sentir. Hein. J'ai pas envie de sentir. Là, il y a de la moisissure ici, là. Oh! C'est quoi, je vais le retourner. Oh, oh purée, il y a une odeur fine qui est rentrée dans mon masque. Oh, sans grand merde. Oh, mais non, ça pue, je veux pas. Ça pue le rat, ça pue le mort, ça pue. Là, ça pue le. Ça pue. Ça pue la mort. Ah, je sais pas si c'est déjà que je travaille à l'hôpital, mais. Je vois pas le rapport, mais... Oh, oh, ça pue. Mais non, mais là, ça pue le... Comment on appelle ça, la pourriture? Pas la pourriture. Ça pue le... la putréfaction. Voilà, c'est le mot, la pute... La putain... La pute... La putréfaction. C'est trop, ça pue trop, frère. Là, j'ai le masque et les bouchées derrière, hein. C'est trop. Oh, y a pas le sida dedans. Peut-être quoi, le sida, il reste pas dedans, frère. Le sida dedans, là, ça, c'est le virus contre le sida, ça. Ça, quand même, tu lis dans Luc, tu lis le Luc, tu l'oquinules. Ah. Tu le donnes à un mec qui a le cancer, il a plus de cancer. Le cancer, il se barre, cousin. C'est fini. Ah, sans plus regarder la tomate. Ça, c'est le bout de tomate qui restait, là. Le pire, c'est que comme elle est restée dans le bocal et il n'y avait pas d'air libre, ça veut dire que la structure moléculaire est restée presque indemne, mais elle a quand même pourri, elle s'est ratatinée parce que... Ah, regardez, pire qu'elle va de Paris, pire merde de Paris, mais regardez cette viande. Là, franchement, ah, je vais tomber dans les pommes. Ah, je peux plus, là. Non, je peux plus, ouais, j'essaie de parler vite, là, c'est bon. Là, je peux... Oh, putain. Non, je peux pas. Attends, j'ai une solution, on va le décontaminer. Là, le chalumeau, il va un peu servir à réduire un peu les particules d'odeur. Les odeurs fines qui vraiment puent. D'accord ? Voilà. On désinfecte un peu ici le néon. Et voilà. Là, déjà, ça va un peu moins puer. Et je préfère que ça... Franchement, je préfère que ça soit un peu le gris, même si c'est de la merde. Donc... Ah ! Ah ! Ah ! Je peux pas. Oh, oh. Pourquoi je fais ça? Voilà, ouais, on va, je vais faire vite. Regardez, il a pourri, d'accord. Tout le monde est au courant, tout le monde le sait. Moi, je vais arrêter ces conneries-là. Si je prends trop de risques, là. Là, je prends trop de... Ah, oh, putain. Ça, c'est la poubelle. Oh. La famille, je peux pas. Hein. Je suis désolé, là, je suis loin comme ça, là. C'est trop... Ah, je vais dégueuler, putain. Oh, j'annule tout. J'annule tout. Oh, pour combien je... La famille, pour combien je prends une... Je le mange là pour... Allez, 1 million d'euros. Oh, ça manque un peu de sang, j'ai rien.
On va goûter, hein. Ah non, non, on va goûter, on va pas rester là. Voilà. Un peu de sauce, un peu de sauce là, j'irai. Voilà, je prends un bien où il y a de la sauce. Et je vais goûter ça. Souhaitez-moi bonne chance, la famille. Alors, bismillah, 1, 2, 3, désolé. Et hop, à la poubelle. Tu crois vraiment que j'allais goûter? Mais vraiment, tu croyais que j'allais goûter ça? Allez, vas-y, casse-toi de là, va. Ça, c'est poubelle directement, frère. Là, j'ai tout contaminé, l'assiette, la pièce. J'ai contaminé mes habits. Ah, 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 la poubelle. Putain, je préfère bouffer des couches de bébé. Au moins, c'est de la chasse, mais c'est de la chasse. Au moins, c'est passé dans un corps qui est tout, je dis, toi, un corps qui est tout neuf. Lave, mec, c'est trop, frère, c'est trop. Ne faites jamais ça à la maison, ne faites jamais ça nulle part ailleurs. Franchement, si vous voulez torturer quelqu'un, mettez-lui un kebab de 100 jours, le pire kebab 100 jours de Paris, vous lui mettez dans sa cellule, enfin dans sa cellule. Vous l'enfermez dans une pièce avec, et le mec, faut qu'il crève de faim. Et croyez-moi, hein, il a plus faim, le mec. Hein. Là, tu fais vraiment bon, tu sens une odeur comme ça, t'as jeûné la journée, bah tu vas jeûner toute la nuit, mon frère. Impossible, tu manges quoi que ce soit après ça. Franchement, ça dégoûte. La famille. Cette vidéo va commencer à toucher à sa fin. N'oubliez pas un truc, méga pouce bleu à la famille, parce que là on va revenir en force. On va faire aussi du gaming. Vous avez vu, j'ai mis en description ma chaîne Twitch. Abonnez-vous à ma chaîne Twitch, ça ferait super plaisir, parce qu'on va faire du gaming là-dessus. On va pas polluer la chaîne de fast-food avec du gaming. On mettra de temps en temps des vidéos dessus, des best-of de ce qu'on a fait sur Twitch. Donc vous inquiétez pas, j'ai aussi investi dans un micro-cravate, je vais vous le montrer. Voilà, j'ai acheté un petit micro-cravate. Parce que tellement le son était pourri, tellement on m'a dit dans les commentaires, prends un micro-cravate, on va se professionnaliser. Donc on va essayer de faire les choses bien. Il y a le micro-cravate, on a aussi des enregistreurs pour justement le micro. Il y a quoi d'autre? Voilà, il y aura du gaming, etc. Et beaucoup de surprises, la famille. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, la famille, on revient en force. Chieux. Ce sont tous des Tommy, des Tombi, cheveux longs, Radma, un demi. Le mental a commis le flow à Curie. Ahuri devant Elias de Marie Curie. Chir, ballerine au pied, t'es disqualifié. Pas la peine d'être PC, tu vas rien sucer. Toutes tes nudes en DM sont toutes effacées. Mais tout ton passé, ça va pas passer.